Donc apparemment j'ai un problème avec OBS qui n'a pas détecté mon micro, donc je viens de repasser sur le micro de la caméra, ce qui veut dire que le son doit être absolument pourri. Mais du coup il doit y en avoir. Touche plus, ouais, bon ben. Bon ben c'est un live qui finira à la poubelle. Voilà. Voilà, je savais que j'allais faire des boulettes. Ok, bon on va continuer un petit peu et puis tant pis. Tant pis, c'est pas grave, je parlais dans le vide. Au moins, ce qui est bien, c'est que si je dis des conneries, il n'y a que moi qui les ai entendues. Alors, je sais plus où j'en étais avec tout ça. Coucou Florelia, du coup, hein, je t'ai dit bonjour, mais j'avais pas de micro. Et par contre, Ange, bah, t'as pas le son. Je sais pas pourquoi. Moi, je vois bien l'image. Sur ma tablette, le son a priori ça va. Je pense qu'il y a peut-être un problème de connexion. Bon bref, on va continuer un petit peu et puis tant pis, il manquera une partie du challenge sur YouTube. Tant pis, c'est pas grave. On fera 100. Donc on en était où ? Je sais même plus. Voilà, faut qu'il aille manger. Ouvrir, on va finir, prendre une portion. J'espère que le son est pas trop pourri par contre, parce que du coup ce n'est plus le son de mon micro que je peux donc bouger, mais le son de la webcam qui lui n'est quand même pas de, à mon avis, d'aussi bonne qualité que mon micro. Tant pis, j'ai pas le temps de fermer et de revenir. Ça me rassure. Allez, tu manges et puis après, on va aller bosser les facultés mentales, jouer, et après on ira au lit, c'était déjà 23h, et après utiliser, dormir. Ensuite, hey, coucou, décidément, il y a pas mal de monde connu ce soir. Merci à tous hein, d'être venus me faire un petit coucou et me soutenir. Hein, c'est bien, c'est. Bah, tout est arrivé au bon moment. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de son. Ça fait 25 minutes que je parle dans le vide. Donc là, c'est bon, maintenant il y a du son. T'es arrivé au bon moment. Tu t'en sors bien pour ce coup-là. Ah non, les Sims, ils sont pas passés à l'heure d'été. Enfin, d'hiver d'ailleurs. Eux, ils bougent pas, ils s'en fichent. De toute façon, chez eux, c'est tout le temps l'été, alors... C'est tout le temps l'été, il fait tout le temps beau. Un jour, peut-être. J'espère fortement qu'on aura des belles saisons. Ouais, c'est clair. Ils ont vraiment la belle vie, quoi. Puis alors, à tous les plans, hein, je veux dire, ils commencent dans la vie, ils sont directement propriétaires d'une maison avec une taille de jardin. J'en parlais avec Ange ce matin, ils commencent donneur d'organes, ils finissent chirurgien. Enfin, vraiment, la belle vie. Quand ils en ont marre de quelqu'un et les noient dans la piscine, ils sont jamais inquiétés par la police. Non, vraiment. Des fois, j'aimerais être un Sims. Si possible, dans le même quartier que donne l'Ontario à choisir. Si j'ai le choix. Bon, alors, on va se reconcentrer. Ouais, c'est grâce à toi, en fait. C'est parce que t'es arrivé direct, le son, il s'est remis, en fait. Coucou, Ange. Tu nous vois? Tu nous entends? Ou juste tu nous lis. Bon, essayez de se remettre. Ok. Bon bah c'est bien si tu nous vois. C'est un bon pas. Il en est où le petit bon, il finit là. Du coup, au niveau des compétences, parce qu'on est quand même là pour ça, on est à 4. C'est très bien. Bon bah c'est cool si tout va bien, Ange.
Bah du coup le live va durer un petit peu plus longtemps hein, puisque les 30 premières minutes sont bonnes à jeter. Du coup on va rester un peu longtemps, enfin un peu longtemps, tout est relatif, mais un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Alors je sais pas si ça vient peut-être de chez moi, je sais pas. Moi je me vois assez fluide sur la tablette, mais j'espère que. Il n'y a déjà pas le son, il n'y a pas l'image, il faudrait plus que ça lag maintenant. Bon, ça devrait aller. Bon, ça va alors. Non, mais ça, si ça lag pas chez toi, Florelia, ça veut dire que, a priori, ça vient pas de chez moi. Voilà, donc c'est. Chacun ses problèmes après. Débrouillez les gars. On va peut-être aller se coucher, non, il est 3h du matin, mon gars. Parce que je parle, mais. Du coup, je m'occupe plus de toi. C'est la faute à Ange, ça. Tout est toujours la faute à Ange. Faut le savoir. C'est un principe de base. Arrête, Floria, tu vas les dégoûter là. Alors. Bon. Allez. Une petite douche d'abord, comme ça on n'aura pas à la prendre demain matin. Et au dodo. Ah, c'est sympa en tout cas de vous avoir en chat en même temps que je joue, c'est marrant. J'aime bien. Alors, allez au dodo. Je règle un peu la hauteur parce que j'ai l'impression que je suis un petit peu basse. Voilà, hashtag c'est la faute à Ange. Oh, ils ont tous fait. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de John. C'est bien. C'est bien. Par contre, déjà, faudrait pas. Je sais que je dis souvent que j'ai plus besoin des parents, que je sais plus quoi en faire. Mais si vous pouviez éviter de mourir avant qu'il passe à dos, ça peut m'arranger quand même. Parce que. Enfin bref. Moi je crois que je vais envoyer la mère travailler. Moi j'en peux plus les avoir dans les jambes toute la journée. Hein. Je sais plus quoi leur faire faire. À part faire la vaisselle. Ouh, faut aller à l'école toi, dis donc. Tu t'es oublié ou quoi? Ouais, c'est ça. C'est là, c'est la faute à Ange et grâce à Ange. On va faire deux hashtags. Rien que pour toi. Allez à l'école, là. Hop, hop, hop. Vous êtes gentils, merci. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Je l'envoie bosser ou pas? Ouais, je l'envoie bosser, j'en ai marre d'avoir là. Allez hop. Hop. C'est où trouver un travail déjà? Prendre des vacances, acheter un. Voilà, trouve un emploi. Non mais, d'un autre côté, excuse-moi, mais il est là pour apprendre des choses quoi, il est pas là pour dormir. La vie d'un enfant est courte et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences à apprendre. Allez, un métier là où qui dure longtemps. Allez, dans les affaires. 9h-17h, nickel.
Allez, on s'en fiche, c'est pas pour gagner des sous, c'est juste pour plus t'avoir. Ah, alors, le Wonder Child Challenge, en fait, c'est un challenge, c'est le but c'est de faire l'enfant le plus parfait possible. Donc, on commence avec un homme et une femme jeune adulte en colocation, on les fait tomber amoureux, faire un enfant. Une fois que l'enfant est là, en fait, à partir du stade bambin, le but c'est de lui faire apprendre un maximum de compétences. Donc, quand il est bambin, ben, c'est les quatre compétences de base, hein, le pot, marcher, parler. Les cinq, pardon, d'ailleurs, compétences de base, la réflexion et l'imagination. Donc, à chaque point de compétence gagné, ça fait des points pour le challenge. Il y a aussi des points si on réussit un anniversaire en argent. Pour les... Ah oui, il y a des points aussi si on n'a pas le moodlet, comme quoi la couche est sale. Donc, si on arrive à le faire aller au pot à chaque fois avant qu'il soit trop tard. Et après, il passe enfant. Une fois qu'il est enfant, ben, c'est le même principe. Il faut faire apprendre un maximum de compétences parce que chaque point de compétence rapporte des points pour le challenge. Tout ce qui est... Attendez, c'est où? C'est par là. Tous les traits de caractère qu'on arrive à gagner au cours de la vie de l'enfant, c'est des points en plus aussi. Donc là, moi, j'ai déjà gagné génie créatif, bambin heureux parce que j'ai presque réussi toutes les compétences. Je pense que je vais avoir aussi un trait pour responsabilité quand il passera adulte, pardon. Et il y a aussi des points. Plus vite votre enfant arrive à avoir A de moyenne à l'école, et plus on gagne de points. Donc en fait voilà, c'est d'en faire un enfant vraiment parfait, qu'il apprenne le maximum de compétences, qu'il ait le maximum de traits de caractère et qu'il ait des bonnes notes le plus rapidement possible. Et après, il va passer à dos. De là, pareil, il faudra apprendre le maximum de compétences qu'on peut. Et à la fin, on fait les comptes. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais grosso modo, c'est ça le Wonder Child Challenge. Voilà, je me vois plus bouger. J'ai l'impression que j'ai planté. Ah non, c'est bon. Ben, c'est-à-dire que, bon, sur Bambin, je ne te cache pas que j'ai pas réussi à apprendre les 5 compétences. J'en avais 4 de validées et la dernière, il me manquait 2 points de compétence. Donc, j'ai pas eu tous les points. J'en ai eu quelques-uns, mais pas tous. Et là, j'espère avoir au moins les 4 compétences de base de validées. C'est pas gagné non plus, mais je pense que Bambin, maintenant que je l'ai fait une fois, en changeant, je pense que j'ai pas pris le bon trait de caractère du Bambin. Je pense qu'avec un autre, j'aurais peut-être pu finir, mais le trait que j'ai choisi, en fait, ne m'a pas avantagé. Donc, bah, c'est comme tout, hein, c'est en faisant les choses qu'on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire. Donc, voilà, hein, c'est un challenge, hein. Si c'était facile, ça serait pas un challenge. Donc, hop, allez, à la douche, et puis tu vas aller manger un petit bout. Plus de choix, ouvrir. Non, ça c'est non plus. Prendre une portion. Voilà. Oui, bien sûr. Je pense que si je leur. Franchement, je pense que si je leur faisais là au jour d'aujourd'hui avec d'autres traits de caractère du bambin, je pense que j'arriverais à valider les. Parce qu'il ne manquait pas grand-chose, hein. Il me manquait 2 points. Je crois que c'était en imagination ou en réflexion, je sais plus. Imagination, je crois. Il manquait vraiment que 2 points, donc je pense que c'était jouable, hein, de tout avoir. Hein. Et c'est dommage d'ailleurs parce que quand on valide, en fait, c'est aussi un avantage sur la suite parce que quand on valide ces 5 compétences de Bambin, on a un trait de caractère qui permet d'apprendre encore plus vite les compétences d'après, en fait. Donc quand on réussit. Quand on réussit déjà le stade de Bambin, et ben après c'est plus facile de réussir le reste, on va dire. Alors on va avancer un petit peu. Hop. Bon, pour l'instant tout va bien. Est-ce que j'avais fait ces devoirs? J'ai un doute. Oui, j'avais fait ces deux. Ah, génial, il va avoir A. Donc ça, c'est cool.
Ah non, en fait, tu te concentres que sur un. Tu peux en faire autant que tu veux des enfants, mais les autres ne comptent pas dans le challenge. Donc, c'est plus facile d'en faire qu'un et de te concentrer à fond sur lui. Parce que si t'en fais 3-4, forcément, t'es moins. C'est moins facile et surtout, ça sert à rien. Il y a vraiment que. Il y a vraiment que le Wonder Child, donc le premier-né, qui rapporte des points. Donc, ça n'a pas d'intérêt de faire les autres, de faire d'autres enfants. Donc, il va falloir regarder combien de jours il lui reste. Voilà, donc je vais le noter dans un petit coin qu'il lui reste 7 jours au moment où il a eu le A. Et c'est ça qui va me donner. C'est ça qui va me donner mes points pour cette partie-là. Donc, déjà, c'est bien. Voilà, magnifique. André a travaillé dur et désormais un élève d'école primaire ayant A de moyenne. C'est parfait. Écoute, t'es fatiguée, mais j'aimerais bien que tu bosses un petit peu quand même. Allez hop. Tu vas réfléchir à une stratégie pour être concentrée et faire tes devoirs. Après, c'est un challenge qui ne dure pas super longtemps parce que, comment dire, là, il lui reste déjà plus que 7 jours de vie avant le stade ado. Et après, une fois que le stade ado est fini, bah, le challenge est fini, hein. Donc, je pense que là, c'était le 10e épisode. Oh, je pense que. Peut-être que dans 5-6 épisodes, ce sera fini, quoi. C'est pas un challenge long comme un Legacy ou un Apocalypse. C'est vraiment. C'est sur une partie de la vie d'un Sims, quoi. C'est vraiment. C'est relativement court, quoi. C'est un challenge. C'est à mi-chemin entre un challenge dans le CAS et puis un challenge sur plusieurs générations, quoi. Ça y est, tu t'es concentré. Alors. Fais tes devoirs. Bon, j'aimerais bien noyer les parents, je vous cache pas. Hop, allez, regardez un film. Ah ouais, les Legacy, moi j'ai pas fini le mien, je sais même plus à quelle génération j'en suis. Il y a eu Angelina, Andrea, Théo. 1, 5. Je suis à la 6e génération et j'en vois pas le bout donc. Oui, je veux tuer les parents parce que je sais pas comment faire, ils me servent à rien. Et il faut quand même que je m'occupe d'eux, donc. Donc voilà. Alors. J'ai désactivé l'autonomie pour pas qu'ils perdent de temps à faire des choses que j'ai pas envie qu'ils fassent. Donc ça c'est bon, ça a validé 1 sur 2. Hop, demain ce sera fait. Voilà, niveau 5, magnifique. Il peut désormais discuter fraction. Bah oui, parce que moi souvent je discute fraction avec les gens. C'est mon hobby dans la vie. Mais non mais des fois, enfin, je sais pas. Sans aller les chercher loin quand même les interactions hein, parce que. Allez, hop, aux toilettes. Hop, on va ramasser ça. Ouh, mais dis-moi, il y a un jardin qui brille là. Faire évoluer. Faire évoluer. Faire évoluer. Tout récolter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout récolter, oui, c'est bien. Et entretenir le jardin. Et bah, justement, figure-toi qu'on en parlait cet après-midi de ton Legacy en se disant que c'était bien sympa à lire, mais que ce serait bien qu'il y ait plus de 3 chapitres, quoi. Ah bah écoute, j'espère, hein, parce que tu pourrais peut-être enchaîner, t'as commencé, finir sur. Non, je te jure, en plus, on en a parlé cet après-midi avec Foufi, et on se disait que il était bien ton Legacy, mais il était court quand même. Que tu nous avais un peu laissé sur notre faim. Ouais, après, il y a des vidéos qui demandent plus de boulot que d'autres, hein, ça c'est sûr, mais
Enfin, moi je trouve que c'est vraiment fun et vraiment sympa à faire quoi. Après je sais pas si voilà, ça va pas forcément être une chaîne qui va super bien marcher, c'est pas forcément le but non plus, mais moi en tout cas je m'amuse et c'est vraiment l'essentiel. Après ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, et ben tant pis. J'essaye de faire au mieux, de tenir compte des remarques pour essayer d'améliorer, mais après l'important, c'est que moi, j'y passe du bon temps. Alors, on en est où? Bon, elle a rien à faire, elle est assise, de toute façon, tout est dans le verre. Toi, tu vas aller manger. T'en es où, t'en es où, t'en es où? Parce que je papote, mais je t'oublie un peu. Ok. On va essayer d'aller pas se coucher trop tard ce soir parce que sinon tu vas pas t'en sortir. Donc utiliser, ouvrir, manger, prendre une portion et dormir. Bah oui, mais tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Tu la reprends et puis tu nous finis ça soit à l'écrit, soit en let's play. Voilà, t'as l'embarras du choix, fais-toi plaisir. Oh bah moi là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Je peux dire que les Sims, quel que soit l'opus, je les ai toujours rentabilisés et ils m'ont toujours apporté beaucoup de plaisir, que ce soit à l'écrit, que ce soit maintenant sur YouTube ou que ce soit juste en jouant. Franchement, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Hein, et il n'y a pas un seul jeu auquel j'ai joué pendant aussi longtemps voilà, dans ma vie, quoi. Ah ouais, ce serait rigolo, quoi. Que je puisse avoir le son plutôt que le chat, ça serait plus interactif. Ce serait vite le bazar aussi, mais ce serait plus interactif. Oh, mais Ange, elle va s'y mettre au live aussi, n'est-ce pas? Voilà. Viens, rejoins-nous. Alors, donc les toilettes, manger, dodo, et tu parleras demain à quelqu'un. Bon, de toute façon, je pense que là, je vais tous les mettre au lit et que je vais arrêter l'épisode pour ce soir. C'était très très fun de vous avoir en live et de discuter avec vous. C'était bien marrant, c'était agréable. Hein. Heureusement d'ailleurs que vous êtes arrivés, sinon j'aurais fait toute une vidéo en me disant mais pourquoi j'ai pas le son? Et puis voilà. Donc voilà, je vous remercie d'être venu ce soir et puis j'espère que vous reviendrez pour les prochains, comme ça on rigolera tout autant et que vous n'êtes pas trop ennuyés, que vous avez trouvé ça sympa. Ouais, de toute façon vous êtes adorables. Donc, j'ai pas à me plaindre là-dessus, j'ai vraiment. Dans cette communauté, il y a vraiment des gens extraordinaires et je regrette pas. Enfin, tous les jours, je me dis que j'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum et ça m'a permis de découvrir des gens vraiment géniaux. Oui, en Jean Cam. Wouhou! Alors dit comme ça, sorti du contexte, c'est un peu chelou, mais oui, ça va venir. Bon, allez.
Je vais aller coucher tout ce monde et puis je vais couper le live. Je vous remercie encore une fois d'être venu et puis pour tous ceux qui n'ont pas suivi le live et qui auraient vu cette vidéo sur YouTube, je rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo ou laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.